qu'est-ce qui vous inspire, un paysage. Mais il dit non, je ne fonctionne pas comme ça, c'est plus, c'est mon humeur qui enclenche une musique, qui engendre une musique. Bon, c'est sûr que l'environnement aussi engendre une humeur, j'imagine aussi. Mais... L'énergie qu'il y met, l'énergie de l'énergie. Ouais. Et je crois que c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui on veut toujours tout cataloguer, rentrer dans les tableaux. Oui, donc il a repris vraiment le. Ah oui, c'est l'ensemble du village. L'ensemble du village. Je vois pas le fond vert qui est dessus. Parce qu'il y a la tour. Monsieur. Et vous avez fait ça? C'est super beau. Super. Fais un sourire. Là-bas de côté. Là où elle est. De l'art. Enfin, ici. Ouais. Alors, non, c'est vrai, comme je sais pas tout à fait. Thank you.
Exactement. La seule chose que demande Hendrik, c'est que vous, pendant qu'il joue, quand elle est crescendo, quand vous l'avez faite, vous ne parliez pas tous les deux, ni Bruno Doigt, parce qu'on ne vous entend pas. Alors, c'est pas très grave, parce que de toute façon, on vous entend parler après, et moi, Julie, personnellement, j'ai déjà des choses intéressantes. Mais je voudrais qu'on continue encore un petit peu, parce que là, tu vas passer de Sipuyaldi à un autre. Ouais. Et ce serait bien qu'on ait plusieurs fois des indications pour donner à Gilles à l'orchestre, pas forcément qu'à Sipuyaldi. Tu m'as dit qu'il y avait encore deux autres propositions derrière. Ouais. Moi, on a du temps devant nous. Je pense que si ça ne vous dérange pas, on continue à suivre. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Tu vois, Julie, mais pour moi, c'est quelque chose que tu peux prendre. Alors, il y en a qui l'ont. Il y en a trop. Il y en a trop deux. Thank you.